Et j'étais très heureux parce que hier, Rushdie a eu les Lumières, c'est la presse étrangère, a eu le prix du meilleur acteur. D'accord. Alors, okay. J'étais à ses côtés, tout à fait honoré. Bon, ben alors ça, c'est des choses des retours qui font plaisir, j'imagine. Non, je voulais vous remercier parce que vous, ben, en préparant la rencontre, j'ai regardé les bonus et j'ai découvert. Vous m'avez fait découvrir un film qu'on m'avait déjà conseillé, que je conseillais à tout le monde, The New Centurions, de Richard Fleischer, qui est un très grand film. Très très grand film. J'ai oublié la date de sortie. 71, ouais. Qui est un film visionnaire, qui est un film de la même manière que Roubaix, une lumière, est basé sur le documentaire de Moscou Bucco. On en reparlera. Ce film est basé sur un livre écrit dans ce style journalistique américain très typique. Pas la Truman Capote, mais enfin, vous voyez, tout réel, par un flic. C'est écrit par un flic, et c'est une succession de petites histoires. Enfin, c'est Stacy Keach et George C. Scott qui jouent deux flics. Stacy Keach étant un New Centurion et l'autre étant le Old Centurion, et ils sont à Los Angeles, et le film est incroyablement visionnaire. C'est-à-dire, c'est tourné en 71 et vous avez déjà l'affaire Rodney King, les émeutes, le truc, le machin. Vous avez tout ce qui peut habiter le désarroi de Los Angeles, vu avec 15 ans d'avance, dans un film incroyablement violent, très drôle. Violent, mais après, avec un traitement de la violence très à plat. Très aussi, à plat. Très sec comme ça. C'est factuel, tout est factuel. Ouais. C'est des faits. C'est une chronique. Et le film, dès son ouverture, qui est splendide, avec l'entraînement qui fait penser à Full Metal Jacket, l'entraînement des pays. Et le film est vraiment un très grand film de Fleischer. Il a fait énormément de grands films. Mais c'est un de ses 5 meilleurs, franchement. C'est un film très singulier. Et c'est vraiment à découvrir, c'est une merveille de cinéma. Donc voilà, merci pour ça. Parfois vous venez, on se conseille des films, mais là, bon, ça a été un choc pour moi. Et voilà. Donc Roubaix, on revient à ce film-là. Alors parlez-nous peut-être de ce documentaire, ou dont j'ai oublié le nom. Roubaix, commissariat central de Moscou Bucco. Qui est celui qui a fait, je pense à ça parce que dans les films de l'année qui m'ont nourri et qui m'ont vraiment empli de joie, il y avait le traître de Bellocchio qui traite le même sujet que le dernier film de Moscou Bucco qui avait été diffusé sur Arte, qui est absolument merveilleux, qui était un film en deux parties sur les Corleone. Sur la mafia à Corleone et c'est les mêmes, sauf que dans le film de Moscou Bucco, vous voyez les vrais bandits, enfin mafieux devant les interviews, et c'est rejoué par des acteurs dans le film de Bellocchio. Et en fait, c'est un peu le chemin que j'ai emprunté. J'avais envie, après je vous en parle. On est parti. Allons-y. Après les fantômes d'Ismaël, qui étaient à plein d'égards un feu d'artifice de fiction, où je faisais assaut de fiction de dans tous les sens, j'avais envie de faire un film sans aucune fiction. Je ne savais pas encore lequel c'était, je ne savais pas vers lequel j'allais me tourner. On a travaillé longtemps sur deux projets. Un projet, et c'était autour d'institutions. Sûrement, je pensais très fort à Wiseman, qui est le documentariste américain. Frédéric Wiseman, que j'adore sans réserve. Ex Libris, peut-être vous l'avez dit, un chef-d'œuvre absolu, et que j'ai la chance que ce soit un ami. Et voilà, et je pense à ça, c'est-à-dire de filmer le réel à travers une institution. Et je me disais, est-ce que c'est à l'hôpital de Roubaix ou le commissariat de Roubaix? Je me suis souvenu de ce documentaire que j'avais vu par hasard et qui était introuvable pour des raisons juridiques, pour protéger les victimes et les coupables. Le film est interdit de diffusion aujourd'hui. Et que j'avais vu un soir en rentrant à la télé chez moi très tard, du travail, j'arrive à 11h, j'allume sur Arte, sur la 3, je ne sais plus, je vois Roubaix commissariat central, je me dis ok, c'est pour moi, donc je regarde, et le film m'avait vraiment hanté. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ça, je voudrais baser tout un film là-dessus, que là-dessus. Alors dans la réalité, dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a deux flics, Antoine Reinhardt qui joue un jeune flic et Daoud qui joue le commissaire Roche-Dizem. Et il y avait un commissaire qu'on voyait dans ce documentaire très charismatique, qui était le premier commissaire d'origine algérienne à Roubaix. Et,
qui était le personnage central, mais qui n'a jamais rencontré les deux femmes suspectées de meurtre, qui n'a jamais rencontré Forestier, c'est tout. Et, voilà. Et donc l'idée de la fiction, si vous voulez, c'est en même temps un désir de fiction. Et qu'est-ce que ça donnerait si Daoud rencontre les deux femmes, quel type de rapport il entretient avec ces deux femmes, et pourtant de respecter autant que faire se peut à la lettre le texte, c'est-à-dire de dire tout fait texte pour moi dans ces mots humbles qui ont été juste attrapés comme ça par une caméra qui était là par hasard. Un peu par hasard, puisque Moscou pensait pas raconter cette histoire-là, il pensait juste suivre la vie quotidienne d'un commissariat, et voilà qu'un meurtre arrive pendant qu'il est en train de faire le documentaire, et donc de respecter vraiment les transcripts comme ça de... Ah oui, les verbatims du truc. Et le documentaire était très étonnant, et j'espère qu'on lui a rendu hommage, mais à travers l'obsession de Daoud de pas vouloir d'avocat, c'est que si vous voulez, ça se trouvait dans une non-zone juridique, puisque c'est à Roubaix. Donc si vous voulez, d'habitude, c'est que des trucs qu'on ne peut pas filmer. Donc tout ce que vous voyez dans Roubaix une lumière, c'est des choses qu'on ne voit pas, parce que c'est interdit de les filmer, tout bêtement. Mais là, comme c'est à Roubaix, si vous voulez, c'est le Far West. Donc, voilà, Moscou Moukou a filmé des trucs qui sont... Voilà, d'où les difficultés juridiques après pour la distribution du film. Et dont j'ai fait mon miel. Mais, alors, vous avez fait votre miel, mais on va parler peut-être du travail d'écriture, travail de scénario avec Léa Missius, deuxième collaboration. Vous avez travaillé sur le fantôme d'Ismaël avec elle. Parlez-nous de ce travail d'écriture à quatre mains, avec ce support documentaire, avec elle. Comment est-ce que ça s'est tricoté? Ça s'est tricoté autour de... C'était difficile parce que je tenais... Il y a un petit peu... Je voulais pas nous servir The New Centurions, qui a été d'une très grande aide, mais aussi beaucoup The Wrong Man, le faux coupable de Hitchcock, qui était vraiment... Qui est un Hitchcock incroyable. Ceux qui n'ont pas vu The Wrong Man, Henry Fonda, c'est juste... L'année d'après, il fait 12 hommes en colère, c'est ça C'est effrayant. La performance qu'il fait, c'est génie pur. Et donc, si vous voulez, on ne voulait pas ajouter trop de... Je me disais que la télévision faisait ça, elle faisait très bien, de rajouter, vous savez, un divorce, un enfant, la garde partagée, le truc, de rajouter des vies privées aux flics. Je me disais, non, il faut être plus wisemanien, on raconte l'institution, on raconte les flics que quand ils font leur travail, on ne connaît pas leur vie privée, on raconte. Donc, si vous voulez, on avait très peu d'éléments que je pouvais rajouter pour décrire l'intériorité des personnages. Alors, Il y a énormément d'ennemis quand on s'attaque à un film comme ça, un polar. Il y a tout le film noir, les téléfilms. C'est un chemin qui a été. Est-ce que vous vous dites tout de suite, il faut que je fasse quelque chose d'autre, quoi, quelque chose qui n'a pas été fait, ou est-ce que c'est une préoccupation ou vous avez votre fil directeur comme ça? Je l'ai chassé un peu, mais c'est vrai qu'il y a une peu à peu, on a trouvé avec Léa Missius qui est une amie et qui est une cinéaste de grand talent. Et on a trouvé la façon, si vous voulez, de peindre l'intériorité des personnages sans leur rajouter des accessoires scénariques. Vous voyez, d'être un peu plus melvillien, d'avoir des figures plus iconiques que ça. Et donc ça s'est concentré pour Daoud autour des courses de chevaux. Voilà, on ne sait rien de lui, il n'a pas de vie. De toute façon, il n'a pas de vie. Quand on voit chez lui, c'est un désert. Quoi. Mais il aime les chevaux. Il aime les chevaux. Et du coup, vous savez, comme souvent on fait dans les scénarios, c'est pas tellement ce que vous inventez que toute l'exégèse que vous faites de ce que vous inventez. C'est-à-dire, il aime les chevaux, oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est une bonne idée? Et c'est tout ce travail d'exégèse qu'on faisait avec Léa qui peu à peu m'a nourri et renforcé. Vous voyez, et puis il y avait un travail de concision. Et puis, maintenant, je dois vous dire, je peux pas, j'ai jamais voulu écrire seul. Jamais. Et c'est ma modestie. Et maintenant, quand j'écris, c'est moi qui écris tout. Voilà, donc je ne sais pas bien comment ça se passe. Alors je demande des bouillons de scène, mais je réécris tout. Le truc, il faut que ça passe par mes mains sur le clavier pour que j'arrive à m'approprier le matériel. Et pourtant, je n'y serais pas arrivé sans l'acuité du regard de Léa, très certainement. Et c'est une réalisatrice et une scénariste d'une autre génération aussi. Ça, c'est important pour vous de vous nourrir de... J'y tenais pas... pour plein de raisons,
Mais ça m'intéresse de travailler avec des gens où on ne partage pas les mêmes régimes cinéphiles, où on n'a pas les mêmes fascinations pour les mêmes films, on n'a pas la même façon de regarder le cinéma d'aujourd'hui ou d'hier. Et du coup, ça me nourrit, quoi, parce qu'on est en désaccord, donc c'est des désaccords heureux. Des désaccords heureux, c'est un synonyme de l'amitié, quoi, c'est super. Je pense que c'est une question que vous êtes posée, de faire cohabiter, et des, vraiment des... pas des gens du cru, mais des gens qui ne sont pas professionnels de cinéma et de très grandes comédiennes qui sont là dans la composition, dans quelque chose, dans un registre psychologique, dans l'accouchement d'une vérité, d'une parole. On va en parler, mais voilà. Je reprends le micro parce que celui-là ne marche pas. Ouais. Je peux le garder. Voilà, regarde. Quand je l'écris, je ne savais pas que je jouerais avec des acteurs naturels. Je ne savais pas ça. C'était, vous voyez, quand j'écris, et puis voilà, c'est parce que j'ai aucune idée de découpage, j'ai aucune imagination visuelle, aucune. J'en suis dépourvu, j'écris. Et j'ai essayé d'écrire des trucs qui soient surprenants, bizarres, et voilà. Je ne tenais pas à faire un film documentaire, bien sûr, je tenais à montrer que les personnages... Vous voyez, c'est le premier truc que j'ai fait... ce micro m'encombre. C'est le premier truc, c'est parce que je parle avec mes mains, je suis désolé. Et c'est le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai envoyé un ami à Roubaix faire des enquêtes pour moi. Il me ramenait. Parce que je sais un travail que je ne sais pas faire. Vous voyez, je suis encore cet enfant un peu terrifié par la vie. J'ai du mal à parler. J'ai du mal. Voilà. Et j'ai envoyé un ami, Alexandre Nazarian, qui allait là-bas et qui rencontrait des gens dans les hôpitaux, des médecins sociaux, des gens des services sociaux, des flics, des commissaires, qui a visité tous les commissariats du coin, etc. Et pas tellement sur ce fait divers-là, mais sur c'est quoi la vie aujourd'hui pour nourrir le scénario. Et je disais, moi, je suis pas bon pour faire ça. Donc envoie-moi des trucs. Et tous les soirs, il m'envoyait ses comptes rendus de journée. Et moi, je restais à Paris. Et je m'étais dit, je lis pas, je commence pas à écrire une ligne tant que j'ai pas relu en entier Crime et Châtiment, que j'ai lu bêtement trop jeune. Et je l'ai relu. Je l'ai relu dans une traduction que j'ai moins aimée que celle que j'ai lue quand j'étais petit. Alors après, j'ai lu dans une autre traduction. Donc ça faisait 4... Non, je sais pas, j'ai 16 ans, quoi, un truc comme ça, 15, 16 ans. Oui, à 15 ans, il y a des choses qui passent un petit peu au-dessus. Et j'ai relu avec grande attention, donc les deux fois deux volumes. Et vous voyez, c'est des gens qui sont plus grands que la vie, à qui arrivent des choses très humbles. Et pourtant, il y a une dimension romanesque à laquelle je voulais rendre hommage. Et donc, je pensais que c'était un film d'acteurs, et donc un film pour des stars. Et après, je me suis dit, pensant à cette compétition avec la télévision, je me suis dit, si je demande pour les petits rôles de flics, pour les petits rôles de les mauvais garçons qui sont joués par des garçons adorables, les jeunes filles rebelles qui sont jouées par des jeunes filles rebelles, et tout ça, si je commence à faire un casting... je vais faire concurrence à la télévision, j'ai trouvé des super acteurs de télé, vous voyez, qui vont faire. Et vous ouvrez la télé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous avez des feuilletons sur la police et tout ça. Il ne fallait pas que je me situe sur le même terrain. Et donc je me suis basé sur les enquêtes d'Alexandre Nazarian, qui me disait, mais tu devrais venir rencontrer des flics. Et alors, peu à peu, on les a rencontrés. Et puis il y a eu tout ce processus qui a été assez long à se mettre en marche. Et peu à peu est venue l'idée qu'il y aurait ces quatre acteurs, qui ont quatre solitudes. Antoine, Reynard, Rushdie, Léa et Sarah, et qui seraient entourés par des gens de Roubaix qui jouent leur propre rôle ou des rôles très, très proches de ce qu'ils font dans la vie. Et c'est comme ça que s'est dessiné le film. Et il s'est passé quelque chose, c'est que... Vous voyez, quand au début, donc je rencontrais tous ces gens. Alors, Alexandre Nazarian, il m'a envoyé des vidéos avec des gens vraiment super. Je pense à un type que j'adore, qui est le boulanger au tout début du film. Il y a un boulanger, le fameux berger, Monsieur Koulibaly. Et il avait une verve, il était formidable. Et donc je fais le voyage, je prends le train, j'arrive, on joue ensemble, Monsieur Koulibaly et moi. Et alors quand j'étais là, il était nul. Alors je me disais, je suis le pire réalisateur pour ce film, parce que dès que je suis dans la pièce, le mec est nul, et dès que je suis sorti, c'est un génie. Et je ne savais pas comment faire, je ne me rendais pas compte comment ça marchait. Et peu à peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien que je leur donne des textes. Vous voyez, moi, j'ai toujours plutôt réalisé des films où il y a des textes. Et si je leur donnais des textes, ils ne savaient pas le faire, puisqu'ils n'étaient pas acteurs, je les mettais dans une position fausse.
Et alors je me souviens même, je pense très particulièrement à cette scène où le boulanger, c'est pas un spoiler puisque c'est le tout début du film, où le boulanger parle avec la jeune flic et il n'arrivait pas, il avait peur, alors que c'est un homme qui a peur de rien. Il vient de, je sais plus quel, j'ai oublié le pays d'Afrique de l'Ouest dont il est originaire. Il nous avait raconté des histoires dingues sur la vie qu'il avait là-bas. Comment il était berger, on lui avait tiré dessus avec un fusil, on avait essayé de le tuer avec une machette, il s'en était sorti. Et puis après, il s'est dit, ok, je vais à Roubaix, ma vie sera plus simple, etc. Enfin, des vies invraisemblables. Donc il n'a pas peur. Il a peur de rien. Mais là, il y avait l'équipe de cinéma, elle avait peur. Et je lui dis, mais vous allez avoir peur de Français, c'est pas possible. Vous avez peur il faut être plus. Et puis, je lui disais, si. Alors, comme vous voyez, il n'était pas acteur, souvent les gens qui sont des acteurs naturels, ils n'aiment pas faire plusieurs prises, ça leur pèse. Alors, je lui disais, écoutez, monsieur Koulibaly, si vous dites mon texte, vous êtes puni, on refait une prise. Donc, dites comme vous dites dans la vie. Et tout d'un coup, il se met à parler, et il y a cette parole qui sort, et il dit à la jeune femme, moi, j'étais un berger. Et alors, elle comprend, j'étais berger, elle comprend rien à ce qu'il dit, etc. Et il dit, mais non, madame, etc. Moi, je n'ai pas peur. Et il commence à parler de sa vie. De ce que c'est pour lui de vivre à Roubaix, etc. Et tout d'un coup, là, ça marchait. Et avec les flics, c'était pareil. Quand je leur demandais de dire le texte, ça passait pas. Je leur disais, voilà, le but, c'est que Sarah dise à la fin de la scène qu'elle a volé la télé. Voilà. Il faut qu'elle dise où est la télé. Et vous débrouillez. Vous faites comme vous feriez au travail. Vous n'êtes pas acteur, vous êtes flic. Donc, soyez juste, faites votre boulot de flic, quoi. Et donc, c'est passé quelque chose qui a été vraiment comme une transe entre tous ces acteurs naturels qui improvisaient, guidés par Rojdi, Léa et Sarah et Antoine, qui eux respectaient le texte au cordeau. Et tout d'un coup, c'est passé une espèce de danse étrange, vous voyez, et que j'aime bien, que moi j'embrasse. Je parlais je pense à votre réaction devant ce mélange des genres, parce qu'il y a une infinité de façons d'être humain, d'être un être humain. Vous voyez, il n'y en a pas une. Et c'est ça que j'adore dans la distribution du film, c'est qu'il y a mille façons d'être au monde. Vous voyez, il peut y avoir des façons plus habiles, plus gauches, plus maladroites, plus embarrassées, plus labiles, plus charismatiques ou plus effacées. Et j'ai l'impression que ça reflétait comme ça un état du monde. J'étais super long. Promis, les prochaines questions, je suis hyper court. S'il y a des questions déjà, n'hésitez pas à lever la main. Je ferai circuler le micro de toute façon. Donc, commencez à préparer vos questions. Bah oui, je poursuis sur le casting, parce qu'on peut pas ne pas parler de Daoud, de Roche Dizem, du choix de ce comédien, une sorte de super flic qui cherche à faire accoucher la personne, le coupable d'une vérité, d'une parole vraie, il y a toutes ces choses-là. Mais déjà sur le choix de Roche Dizem, avec lequel vous n'aviez jamais travaillé, déjà, est-ce qu'il s'est imposé déjà à l'écriture, et comment ça se passe? Parce que je sais que sur les plateaux de tournage, en général, vous aimez à jouer les personnages, à pas les singer, mais à les faire, et en général, c'est une source d'inspiration précieuse, et que là, pour le coup, pour Roche Dizem, c'était compliqué, c'était difficile. Ben, je le connais depuis N'oublie pas que tu vas mourir. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'il était produit par Wynot Productions. Et je le connaissais d'avant, par l'écran, dans les films de Téchiné, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je l'ai rencontré par Xavier Beauvois. C'est un homme qui est très impressionnant. Enfin, que je trouve, je ne sais pas, mais je le trouve très impressionnant. Et il a un côté princier comme ça. Moi, je suis pas du tout un prince, je suis un manant. Alors du coup, je le regarde, je suis tout épaté comme ça. Et donc, on se croisait. On a un ami commun qui est Pascal Cocheteux, le producteur. Donc, on se croisait et j'étais le voir. Je pense jamais à des acteurs. C'était dans un coin de ma tête, mais je le vocalise jamais, je le verbalise jamais, parce que je suis trop superstitieux. Et je me dis si il dit non, après, je vais être malheureux. Donc, il faut pas le dire, quoi. Et pourtant, quand j'étais le voir ce matin-là, j'avais dit au producteur la veille, bah, écoute, si jamais on verra, si Roche Dizem me dit oui ou non, mais s'il me dit non, je ferai un autre film. Je fais pas celui-là. On fera autre chose, je ferai une adaptation, je sais pas, je change, mais je arriverai pas sans lui. Et je l'ai vu, je lui ai surtout pas dit ça, parce qu'il sera enfui en courant. Et je lui ai dit, voilà, c'est souvent on peut te donner... et puis vous voyez, avec l'âge aussi, on te donne des rôles de flic un peu bougon ou un peu renfermé, etc. Et en fait, j'aimerais voir Daoud sourire. Et je ne sais pas pourquoi Daoud, parce que ce qu'il voit, ce n'est pas facile.
il a une vie pas facile, et pourtant il sourit. J'ai dit, voilà, ton travail d'acteur serait de trouver, mais me le dis pas, c'est de trouver pourquoi Daoud sourit. Il faut que tu trouves en toi cette force du sourire, et j'aimerais voir Rushdie Zem sourire à l'écran, voilà. C'est tout ce que je peux te proposer. Il m'a dit oui, donc le film était possible. Mais c'était de l'ordre d'une telle évidence. Comme commentaire, ce que j'ai envie de... Ah non, j'ai promis que je ferais court. Non, mais si vous me permettez, parce que je trouve ça... C'est pas de moi, donc j'ai le droit de le dire. Je trouve ça éclaire le film. Et c'est trois personnes qui m'ont appris ça. C'est quand j'ai juste en sortant de la projection le soir à Cannes, j'avais un texto adorable de Serge Toubiana, l'ancien rédacteur des cahiers, directeur de la Cinémathèque, auteur des livres que l'on sait, et avec un texto très enthousiaste, très bon. Et il me disait, c'est merveilleux, c'est l'histoire d'un prêtre qui devient flic. Alors je me suis dit, je suis tout fier et tout ça, puis je vais dire ça aux interviews et tout. Et le lendemain matin, j'avais une interview avec un journaliste de Film Comment, les cahiers du cinéma américain, qui me dit c'est merveilleux parce que c'est l'histoire d'un flic qui devient shrink. Et, psychanalyste, ouais, d'accord. Et donc je me disais, ah tiens, c'est pas pareil. Et c'est beaucoup plus tard que ça m'est arrivé, en montrant le film dans un cinéma à Vincennes. Je racontais cette anecdote, de comment je m'étais fait enseigner par deux fois le film que j'avais réalisé. Et il y a une spectatrice qui me dit, en voyant votre âge, je pense qu'il y a un film que vous avez vu, et le film c'est ça. Et le Daoud, c'est ça, c'est Les ailes du désir, et c'est Bruno Gans dans Les ailes du désir. Et quand elle m'a dit ça, c'est un film qui m'a tant marqué quand je l'ai vu à l'époque, vous voyez, quelqu'un qui a un mind reader, qui peut lire dans les esprits, et cette figure angélique, je pense à Daoud sur le toit de Roubaix, sur le toit de l'hôtel de Roubaix, qui dit voilà, la ville c'est comme ça, etc., et qui est capable de lire dans la tête des gens, je trouvais que sa comparaison avec un ange de cette spectatrice était tellement... J'ai pas fait ce lien là, mais c'est vrai, très juste. C'est assez juste, ouais. Dernière, ben pas dernière question, mais après, encore une fois, je préparais vos questions. Ce que j'aime beaucoup, et vous en parlez, et c'est une question assez. Un moteur du film est une question forte, c'est. Vous référez à Claude Lanzmann, à son travail, et au travail de questionnement d'un flic. Qui s'intéresse non pas à la question du pourquoi ce crime a été fait, mais du comment. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pivot et une sorte de moteur comme ça du film, des interrogatoires. Et on n'arrive pas à se poser la question de se dire mais pourquoi elles ont fait ça. Mais tout le travail est d'interrogatoire, d'aveu, de reconstitution. C'est la question du comment. Dire quelques mots là-dessus. C'est la modestie de Daoud qui est. Daoud, c'est aussi évidemment une figure de metteur en scène. C'est très, très certainement, on voit dans la scène de reconstitution, quand vous voyez, il y a la scène qui est sous la lumière, il y a la coulisse où souvent va se cacher Léa, Sarah monte en scène, il y a les accessoires, le lit, le coussin, il y a le texte improvisé, dites-le, il y a les injonctions de jeu, maintenant vous jouez un rôle, c'est votre propre rôle, et il les dirige, quand elles ne font pas bien, il dit non, on reprend, pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, il y a le verre, il les met en scène. Mais cette mise en scène, effectivement, c'est devant quelque chose qui est inhumain, et de tuer une femme en marchant sur son visage, une femme de 85 ans, c'est inhumain. Ben, la question du pourquoi n'a pas de sens. En tout cas, ce n'est pas une question de cinéma. Et la question du comment est 200 fois. Et c'est drôle parce que Daoud, il le dit une fois. Il a un pourquoi dans un interrogatoire qu'il a avec Sarah, avec le personnage de Marie. Il lui dit mais pourquoi ? Et il se reprend tout de suite. Il fait, comment vous avez mis l'oreiller. Il reprend tout ça. Et cette obsession du détail, de comment, de faire rejouer les scènes, que ça passe par la parole, de les reprendre encore, de reprendre par le détail. Et il me semble que par ce pourquoi, ce comment à la place du pourquoi, c'est la façon qu'a Daoud de prendre des femmes qui ont franchi une limite et qui ont fait quelque chose d'inhumain et de les ramener dans l'humanité. Et voyez, c'est par l'humilité de ce travail, du comment. Et c'est le contraire d'un juge, quoi. C'est le contraire d'un juge. C'est qu'un flic. Oui. C'est qu'un flic. Et c'est ce qu'un flic que je trouve bouleversant et humain, quoi. Très humain. Mais à travers tout ce travail-là, il y a vraiment. Ben oui, c'est un rôle de psychanalyste, un rôle de prêtre, de faire une sorte de maïeutique comme ça, faire accoucher la personne de sa vérité. Bon, elle a été dans le mal, elle n'a pas fauté, parce que c'est des mots qui sont connotés. Mais faire en sorte qu'elle aille mieux en avouant, quoi. Mais en même temps, dans les scènes interrogatoires, moi je voulais en parler, mais il y a une violence. Je voulais savoir comment est-ce que vous aviez travaillé ça, même au niveau
les interrogatoires croisés, d'un côté forestier, de l'autre côté c'est doux, et la violence, le côté bad cop, good cop. C'est une inspiration documentaire ou vous avez C'est en travaillant avec les flics. Oui, voilà. D'accord. C'est en voyant les flics. C'est pas surjoué, c'est pas un cran au-dessus, c'est pas un cran. C'est comment Oh, avec moi, j'espère que c'est toujours un cran au-dessus, c'est quand même du cinéma. Il faut que ça fasse spectacle. Puis j'avais une hantise, c'est que vous ennuyez en voyant les interrogatoires, parce qu'il y en a tellement. Alors il fallait que je varie mes façons de filmer, et que je fasse des trucs et que ça dépense. Et puis après, il y a cet émoi, c'est-à-dire il y a toute la vie du commissariat qui s'arrête. Vous voyez, je trouve ça très beau, il y a une dame humble dans une courée qui vient d'être étranglée, et toute la vie du commissariat s'arrête. C'est comme quand il y a la jeune fille qui vient de se faire violer, toute la vie du commissariat s'arrête pour trouver. Il faut trouver. Et du coup, ça monte. Et les flics, ben, quand je leur disais, vous envoyez le bois, ils envoyaient le bois, quoi, ils y allaient. Quoi. Mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité documentaire. C'est une réalité documentaire. Oui, c'est très documenté. Mais après ça, vous voyez, j'aimerais pas m'en flatter. Puis j'ai une vie tellement différente des vies de ces policiers à côté de qui j'ai vécu pendant plusieurs mois. Vous voyez. Mais vous voyez, par exemple, il y a une femme merveilleuse à qui j'avais demandé de faire l'incarcération de Marie quand on lui fait prendre les empreintes, etc. Et ça me plaisait beaucoup parce qu'elle avait de très jolis tatouages partout sur les bras. Et c'est elle qui met le doigt sur l'encre. Alors il y avait une espèce de forme comme ça que je trouvais très attrayante comme ça. Elle est dure, elle est austère. C'est elle qui fait une espèce de frottis à l'intérieur des joues pour attraper l'ADN et qui est comme un viol pour ce personnage de Marie qui supporte pas, qui se hait tellement et qui supporte rien. Et voyez, elle me disait ah oui, hier c'était la semaine d'avant. Elle me dit la semaine d'avant j'ai merdé. Et je disais quoi et elle dit non mais je vais le faire, la scène ça va aller, mais la semaine dernière j'ai merdé parce qu'elle avait laissé je ne sais plus quoi, qu'elle n'avait pas été assez dure pendant la fouille, elle avait laissé un soutien-gorge ou quelque chose machin ou un bout de je ne sais quoi, et l'incarcérée s'était suicidée dans la cellule. Elle disait là je vais pas merder, et du coup elle était dure. Vous voyez, c'est des métiers durs parce que c'est la vie, la mort. La culpabilité, c'est dur, quoi. C'est vraiment. C'est une ville dure, les crimes sont durs. Vous voyez, Donc, ouais, c'est des gens durs. Vous voyez, quand. Je me souviens, le flic que j'aime beaucoup, qui est Benoît, qui est un colosse, et qui est très, très tendre quand il joue avec la jeune fille violée. Oui, c'est incroyable. Mais... Parce que dans l'interrogatoire, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout pareil. Et il était bouleversant dans la scène quand on faisait des essais comme ça avec la très jeune fille qui est incapable de parler. Il va en rechignant en plus. Il dit Ah non, c'est pour moi. Et quand il est dans la scène. Mais ça venait de lui. C'est parce que lui, il ne supporte plus les trucs de. Depuis qu'il a des enfants, il ne supporte plus les trucs de viol parce que ça lui fait trop violence de le faire. Et en même temps, il est super bon à le faire parce qu'il est hyper humain, quoi. Ouais. Et en même temps, il a ce physique de colosse. Alors quand il fallait le lancer, après, quand je lui disais, non mais rentre-lui dans l'art à Marie et tout ça, et puis il ne trouvait pas. Et puis je lui ai dit, tu te rends compte à qui elles ont fait ça? Et Sarah n'avouait pas. Elle ne voulait toujours pas avouer. Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler avec la puissance de ce corps phénoménal qu'il a. Il a hurlé, putain, mais une femme de 85 ans, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, etc. Machin. Et d'un coup, parce qu'il savait pourquoi il le jouait, c'était pour défendre une victime. C'était pour défendre un nom, Lucette, juste un prénom. Il y a ce prénom-là, et vous battez pour ce prénom-là. Alors, c'est pas de l'angélisme par rapport à la police, surtout, voyez, habitant dans ce pays, en ce moment, la situation est quand même complexe. Mais enfin, il y a une grandeur dans ces portraits de flics que nous faisions. Je peux continuer, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, à vous. Sympa. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec Léa et Sarah, si en amont du tournage il y avait une préparation particulière ou si ça commençait le jour du tournage. Alors moi j'ai un... C'est un petit peu les... Si j'aime bien voir... Avec Sarah, j'avais vu un film... Je vous raconte comment je l'ai rencontré parce que c'est comme ça qu'on a travaillé.
J'ai juste deux anecdotes, mais qui sont pas, je trouve, des anecdotes, qui sont des faits d'art qui viennent d'elle. Je l'avais vue dans M, le film qu'elle avait réalisé, où elle jouait le rôle d'une bègue, et je pensais... Je l'avais vu en retard, parce que je l'avais raté à sa sortie, je l'avais rattrapé après, et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'était un film qui n'avait pas été assez salué à mon goût, et du coup, je lui avais écrit. Elle m'avait envoyé un tout petit mot, comme ça, parce qu'elle n'a pas le téléphone, elle n'a pas Internet, elle n'a pas de... Donc, par son agent, sur le mail de son agent, elle m'avait envoyé juste un petit mot après. J'avais envoyé une lettre et un petit cadeau, et un DVD, acheté ici. Et c'était Monica. Et donc, j'avais envoyé ça, elle m'avait dit, quand vous voulez, où vous voulez. Alors tout d'un coup, j'ai relu le scénario, je me suis dit, putain, ça y est, c'est bon, quoi. Ça y est, j'ai Marie, c'est plié, quoi. J'étais tellement à genoux devant ce qu'elle faisait. Puis je me disais, dans un pays anglo-saxon, une performance comme dans M, elle aurait tout gagné, quoi. C'était hallucinant ce qu'elle faisait. Et je lui ai envoyé le scénario dans le lendemain, et c'est la direction d'acteur qu'elle m'a donnée, c'est pas moi qui lui ai donné la direction d'acteur, elle m'a envoyé une photo de Falconetti dans le Jeanne d'Arc de Dreyer. Voilà, et c'était juste une photo, et elle avait rajouté oui en dessous. Il y avait un scan avec oui. Et voilà. Je me suis dit, ben voilà, elle sait mieux que moi ce que c'est le personnage. On a un peu travaillé sur l'aspect physique, donc ça, vous voyez les dents abîmées, les boutons, les cicatrices, les choses comme ça. Donc ça, c'est une partie du travail. Les costumes, beaucoup, c'est là où je travaille. Mais si vous voulez, je suis tellement dépressif de tempérament que si je répète le scénario avant, j'abandonne tout. Vous voyez, je trouve ça tellement nul que j'abandonne. Mais pourtant, alors ce que je fais, c'est que je fais des lectures, mais avec les acteurs séparés les uns des autres, pour voir si les mots leur conviennent, s'ils ont des petites obscurités, etc. Et avec Sarah, ça s'est passé d'une façon étrange, parce qu'on a fait une lecture comme ça, on a fait trois de lectures, la même journée. On a fait une où elle a lu, j'ai dit, s'il vous plaît, lisez à plat. On s'est tutoyé plus tard, mais on se vous soyez à l'époque. Et je lui ai dit, si je vous en prie, vous gardez tout comme ça. Elle dit d'accord. On a posé des petites questions et tout ça, de texte, une scène qui lui était obscure et tout ça, puis elle trouvait. Et elle m'a dit, bon, bah, maintenant on va voir à vous. Et elle me tend le scénario, et je dis, c'est-à-dire, elle me dit, voilà, maintenant je veux que vous jouiez toutes les scènes de Marie. Et alors j'étais avec Nazarian, j'ai dit d'accord. J'ai lu toutes les scènes en jouant. Voilà. Et alors quand je ponctuais, quand je merdais une scène, je lui disais, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas bien fait. Puis quand j'étais content de moi, je disais, celle-là, je n'étais pas mauvais quand même. Et je l'ai fait. Et après, elle a dit, je peux reprendre le texte. Et elle m'a donné une troisième lecture en larmes du début à la fin. Voilà. On avait terminé la préparation du rôle. Et voilà. Après, Sarah, elle a une capacité de... Je pense à la scène que je voyais quand je suis arrivé, quand elle sort de la courée la première fois qu'on la voit, elle joue avec tout ce qui se passe. Vous voyez, un pigeon qui passe, un truc. Quand elle joue, elle se sert de tout. Elle est très animale. Oui, très... elle a ce talent-là. Mais une fois que j'avais Marie, restait le problème de Claude, et je voulais un couple sexy. Vous voyez, c'est un couple de femmes qui s'aiment mal, mais qui sont en couple. Et c'était très, très dur de trouver des actrices qui ne soient pas dans le même régime. Parce que les deux femmes, moi, c'était un trait auquel je tenais très fort. C'est la séparation des rôles dans les tâches de l'amour. C'est-à-dire, il y en a une qui est l'amante, qui toujours, de toute éternité, a aimé, et l'autre qui, de toute éternité, a été aimée. Mais l'aimé n'aime jamais l'amante, et l'amante n'est jamais aimée par l'aimé. Et voilà, ça ne marche pas entre elles, quoi. Et donc, on cherchait... Et... Oui, vous savez, c'est Jean Douché qui m'a dit ça. J'étais très touché, je pense à lui avec émotion, puisque je suis ici et que ça a été mon maître, et que c'est mon maître. Et je pensais avec fierté que j'ai pu le connaître pendant des décennies et des décennies. Et il m'a dit, c'est grâce à Daoud qu'elle devienne un couple. Et il avait vu tout le film. C'était douché, quoi. Il était fort. Et donc, j'ai rencontré Léa. Et on a commencé, pas à lire le scénario, mais à parler du scénario. Et de dire, c'est difficile parce que comme elle est aimée, les spectateurs, ils la blâment. Les spectateurs, ils préfèrent toujours l'amante à l'aimer, oui, toujours. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour la défendre? Je dis, il faut pas comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Et puis, peu à peu, en montant comme ça, elle parlait de son enfant, du fait qu'elle défendait quelque chose, cet enfant qui est absent, qu'on voit jamais, puis elle parlait. Et puis, peu à peu, nos conversations, est venu un truc, je me suis dit, vous voyez, je lui disais... Mais ce n'est pas moi qui lui disais, c'est elle qui me le soufflait. Hein. Il y a un désir d'échafaud chez elle. Et je pensais très fort à une performance d'actrice, c'est Anastasia Kinski dans Tess, à la fin, qui va vers l'échafaud. Vous voyez, et Tess d'Urbanville, elle pense,
je suis noble quand même. Vous voyez, je suis de la haute. Vous voyez, je suis une fleur dans le caniveau. Quoi. Évidemment, mes conditions de vie sont épouvantables, mais je suis noble. Et du coup, il y a cette phrase, et ça a éclairé une phrase qui a été dite dans la vie que je trouve magnifique, c'est « Tu te rends pas compte qu'en disant ça, on va à la guillotine. » Et il y a une espèce de désir, pas de sacrifice, mais de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est cool parce que j'ai Jeanne d'Arc qui sort avec Tess, j'ai un film. Voilà, c'est bon quoi. Et après, en filmant Léa, elle était surprise elle-même de... Je lui disais, c'était le mot que j'utilisais, enfin, mais une fois de plus, c'est elle qui me l'avait soufflé. Et je lui dois la compréhension du personnage de Claude, c'est qu'elle persiste. Elle persiste dans son être, elle tient tête et elle s'effondre. Et elle tient tête et elle s'effondre. Et c'est ce moment, ce mouvement que Léa arrive à incarner que j'ai trouvé magnifique. Une fois, j'ai compté sur la table de montage, je crois dans le film, 7 fois elle s'effondre et la 8e fois elle remonte encore sur le cheval et elle tient tête, elle persiste. Quoi. Et cette obstination du personnage, je trouve ça sidérant. Quoi. Et ça faisait couple, quoi. Elle faisait couple et effectivement, à la fin... Elles ne se sont pas aimées, mais elles font couple dans les 15 minutes qui les conduisent vers la prison. Quoi. Et, ben, elles seront un couple pas très heureux, mais un couple. Pour ce que mais ça c'est, peut vouloir. Mais c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant ce que vous dites sur, sur le personnage comme ça qui se dévoile avec le comédien, la comédienne, et au fur et à mesure, mais aux yeux du réalisateur même. C'est-à-dire que le réalisateur comprend son personnage avec son casting, avec... voilà. Alors qu'on a, souvent cette image-là d'une sorte de réalisateur comme ça tout puissant qui a tout compris, qui est un peu un grand manipulateur et qui sait où va son personnage. Et là, je trouve que c'est toujours assez beau d'entendre ça, la bouche d'un réalisateur. Ben, si vous voulez, c'est ce que je vous disais quand je disais j'ai aucune imagination visuelle. J'en ai eu honte énormément. Vous voyez, de 18 ans à 30 ans, j'en avais très honte. Et puis après, je me suis dit, c'est une chance, parce que pour moi, une bonne scène, quand je suis en train d'écrire en ce moment, très maladroitement, des trucs très mauvais, une bonne scène, c'est quand je ne comprends pas ce que les gens disent. Quand je me dis, pourquoi il dit ça? C'est bizarre. Et c'est étrange. Et je me dis, si c'est étrange, un acteur va adorer le jouer. Et c'est lui qui va m'expliquer pourquoi le personnage dit ça. Je pense qu'une bonne réplique ou une bonne scène, c'est une scène où il y a une énigme, et le travail de la mise en scène, c'est d'éclairer cette énigme pendant le tournage. Il y a une scène comme ça plus tard, sans déflorer, qui a un petit peu la fin de l'ouverture du film, où le jeune flic maladroit demande à Daoud, mais vous savez toujours si un suspect est innocent ou coupable. Et Daoud dit, bah, toujours, oui, je le sais, bien sûr. Mmh. Il dit, vous faites comment? Et il dit, bah, je pense comme eux. Oui, oui. Vous voyez, c'est qu'il est pareil que. Donc il se dit, bah, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais dans la mouise, que j'avais ma voiture, c'était le soir de. Bah, je l'aurais brûlé pour essayer de gagner 150 euros. Hein. Je sais pas. Vous voyez, c'est le contraire d'un juge. C'est parce qu'il est pareil que. Je voulais parler de. Ouais, non, rapidement d'Antoine Reinhardt, de son choix. C'est le narrateur, en même temps un narrateur qu'on perd au bout d'un moment. Et un personnage d'appoint, très important aussi pour la narration et pour le déroulement du film. Je suis toujours fan de Reinhardt après avoir vu 120 BPM où il était absolument admirable. Et donc j'avais le très fort désir de jouer avec lui. Je crois que ça c'est un spoiler, mais c'est un spoiler aussi pour les gens qui ont vu le film. Donc ça, j'ai le droit de le dire. Je crois que son personnage est gay. Je pense toujours à ça dans la scène des vestiaires quand il se retrouve avec les types qui font des blagues d'hommes, etc. et qui a un malaise où si je m'identifie à lui, je pense que je suis pas pareil qu'eux. Et ça me touchait, ça me touchait, si vous voulez, qu'il y ait un narrateur et un héros, quelqu'un qui est narré. Et que jamais Daoud n'est le narrateur et jamais le narrateur ne devient le héros. Et il y en a un qui aspire à la grâce et qui ne l'a pas. Et l'autre, il a la grâce. Et c'est absolument injuste, et c'est comme ça. Et ça me plaisait. Et c'est comme quand je vous parlais des rapports entre Marie et Claude, c'est que les rôles séparent les gens. C'est vraiment d'avoir 4 solitudes et pas 2 couples. Vous voyez, c'est que chacun est seul, absolument seul. Et je pense au monologue que m'a donné Reinhardt quand il écrit et quand il...
il parle comme ça de son aspiration à la foi quand il était enfant et de son horreur de la foi religieuse et tout ça. Il y a des souvenirs très certainement d'un journal d'un curé de campagne de Bresson et de choses comme ça dedans. Et je trouve qu'il m'a donné un gros plan qui valait son apparition dans le film. Je trouve merveilleux de naïveté, d'embarras et d'avoir accepté à porter ça, ceux à qui la grâce aura manqué. Et qui est terrible, quoi, et qu'il arrive à porter jusqu'à la fin du film. Jusqu'à le sourire qu'il offre dans la scène à la course, qu'il offre à Daoud, et quelque chose vient se réparer dans ce sourire. Alors, une dernière question, après, moi, je ferai passer le micro et je me tairai. Non, une question technique, même de chez FOP, sur, par exemple, dans la scène des interrogatoires, la question des zooms. La question de la façon dont vous cadrez, par exemple, Roche Dizem, et la façon dont la caméra s'approche comme si elle cherchait quelque chose dans le visage, une sorte de... Parlez-nous peut-être de ça, parce que c'est un parti pris qu'on voit cette caméra flotter et en même temps, à un moment, chercher quelque chose ou aller scruter quelque chose sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je repère très bien... Un zoom, quand Daoud rentre chez lui, pose son journal de course, allume son ordinateur, et voilà qu'il entend des chats miauler, et d'un coup il y a un zoom, très rapide, qui vient des années 70, et qui vient du privé d'Altman, très certainement, et qui vient de films comme ça. Et c'est parce qu'on avait mis la scène, on avait, comme ça, j'ai prévu la scène, et la scène était... C'est toujours difficile de filmer des gens qui s'ennuient, parce que très vite, c'est vous qui vous ennuyez, donc il fallait quand même habiter. Et d'un coup, j'ai pensé aussi peut-être à du cinéma asiatique, peut-être plus qu'à du cinéma américain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait fait John Woo? Il aurait zoomé à fond sur le visage, à toute vitesse et tout ça. Et du coup, on l'a fait, et c'était saisissant, et ça marchait. Alors du coup, on l'a gardé, et Rushdie arrivait à s'en servir, et c'était bien. Mais par exemple, dans la scène qu'on vient de voir, les travelling et tout ça, c'est beaucoup plus en travelling qu'en zoom. Mais c'est vrai que, ouais, il y avait l'envie tout le temps de recadrer, de refixer, de mettre en scène cette parole, de la découper. C'est vraiment un film de... Vous voyez, vous parliez au tout début de... du fait qu'il y avait un mélange de fiction et de réalité, vous voyez, et enfin d'appétit de réel dans le film et d'appétit de fiction en même temps. Et c'est vrai que moi j'ai commencé le film en me disant je vais mettre la fiction à la porte pour une fois dans ma vie, et la fiction est rentrée par la fenêtre. Si, j'y suis arrivé, mais elle est rentrée par la fenêtre avec les acteurs, quoi. Donc je pouvais pas empêcher ça. Et je pense ultimement que c'est un film de comme tout est vrai. Que c'est des faits vrais, tout s'est passé comme ça, le type a brûlé sa voiture comme ça, tout est vrai, les faits sont des faits collectés, vrais, documentés, etc. Et donc ce qui reste, c'est la mise en scène. Et donc du coup, j'ai une complicité très très forte avec la jeune femme qui veut bien m'assister sur les films, qui s'appelle Marion Dehaene, et sur le découpage, c'était des séances interminables de découpage pour savoir comment on allait filmer ce truc réel. C'est-à-dire, même si c'était du matériel brut, je tenais à ce qu'il soit mis en scène. Et donc, avec des travelling, avec des approchés, avec des découpages, des champs contre champs, des amorces, plan à l'anglaise, plan à la française, vous voyez, c'était très très découpé comme film. Ce qui me revient, la question de faire accoucher donc d'une parole et le comment vous parliez de René Falconetti dans Jeanne d'Arc de Dreyer et se dire comment les textes n'ont pas allé contre l'image, contre le visage, c'est-à-dire que comment ce qui est dit, ce que va dire le personnage ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il peut dire sans le texte. Bah moi, je regarde pas mal de films muets. J'étais un peu déçu parce que j'ai pas trouvé quel film muet mettre dans la liste que vous m'aviez demandé. J'en ai pas mis, mais quand je regarde un film, je suis vraiment très immature. Vous voyez, quand je regarde un film, j'ai 11 ans. C'est-à-dire, j'écoute à peine ce que les adultes disent à l'écran. Vous voyez, je me dis oh là là, ils ont l'air en colère là. Ils parlent de choses compliquées, de trucs comme ça. C'est des films très bavards. Oui, mais j'écoute pas. J'écoute pas, j'aime bien entendre le bruit des êtres humains, ça me plaît le bruit. Mais après ce qu'ils disent, si au théâtre je vais écouter ce qu'ils disent, mais au cinéma j'écoute pas vraiment ce qu'ils disent quand même. Et du coup ça me gêne pas, je regarde comme... Et puis souvent quand je monte les films, je les monte en muet, vous voyez, je monte pas avec les dialogues. Je monte avec de la musique et je mets les dialogues après.
Mais je monte sans dialogue, je crois que les visages. Et c'est quelque chose qui m'apparaît, vous voyez, dans ce que je vous disais sur l'idée que des femmes ont transgressé, qu'elles ne sont plus dans le champ de l'humain, et puis que Daoud, il les récupère parmi nous. Je crois que le cinéma a cette puissance qui est peut-être jamais apparue de manière plus lumineuse que dans le cinéma muet, mais qui est toujours dans le cinéma d'aujourd'hui, qu'il soit filmé en digital, en 35, peu importe. C'est que vous faites le gros plan de quelqu'un, et je pense, ça peut être choquant, mais je pense qu'il y a un privilège au visage féminin, mais ça arrive avec des visages masculins aussi. Et vous faites un gros plan, je pense à l'invention du gros plan, vers 1900, faut attendre quand même tard, faut attendre 1915, un truc comme ça, 1910, et faites un gros plan et vous le projetez, et il y a un truc qui se passe pas en photographie, enfin un peu en photographie, mais c'est pas pareil en photographie, c'est pas pareil en peinture, c'est pas pareil au théâtre, c'est pas pareil dans les romans, c'est que derrière un visage humain, il y a une âme. Et le cinéma, c'est la preuve de ça. Et c'est pas une âme au sens religieux du terme, je suis pas quelqu'un de religieux, mais il y a un truc qui s'explique pas, qui est que chacun a une lumière à l'intérieur, quelque chose qui a une flamme, il y a quelque chose qui est unique, et que la caméra arrive à capturer, à enregistrer et à projeter. Et quand vous êtes dans la salle, ce miracle du cinéma vous apparaît. On a l'impression d'entendre parler Eugène Green, qui filme ses comédiens face caméra, dialogue comme ça, et qui lui cherche vraiment ça dans l'équilibre d'un visage, dans une symétrie. Bon. Faites gaffe, le micro marche pas. Vous inquiétez pas. Hein, le mien marche pas non plus, donc. Bonjour, ça marche. Je m'appelle Daria. J'ai mon collègue à côté de moi, Gaël, tu veux ? Parce qu'il parle mieux que moi, mais bon, ok, je vais essayer de dire. J'ai vu déjà votre film et j'avais les impressions plutôt lourdes, douloureuses pour moi, c'était votre film. Et là, j'ai revu cette scène et c'était tellement drôle. j'ai oublié ça et je pense qu'il y a plus de moments comme ça. Et en effet, le plus c'est drôle, les scènes comme ça, le plus le film devient douloureux. Il y a quelque chose que j'aime bien d'ailleurs dans vos autres films. Mais ma question c'est un peu plus large. Je vais souvent à la Cinémathèque et je suis venue voir quelques films, votre film. Et je me souviens que vous avez parlé que c'est important d'avoir un intermédiaire entre le film et le public. Et je suis d'accord, deux fois ça aide vraiment. De plus, ça devient très intéressant de découvrir tout ce qui s'est passé autour, de se voir tous les détails. Et j'ai vu que vous êtes venu souvent donner les masterclass. Il y avait les films de Hitchcock comme The Wrong Man. Et ma question c'est, vous pensez que les rencontres avec le public comme ça, ça peut aussi, ça peut aussi apporter une possibilité que vous pouvez rencontrer quelqu'un, je sais pas, des nouveaux talents, des gens que vous allez s'intéresser aussi, vous allez vous intéresser aussi à ce que nous, les cinéphiles, ce que nous faisons. Comme les films, comme le travail. Merci. Ça compte pour moi. J'ai envie de vous répondre de beaucoup de façons. J'ai essayé de trouver la plus simple. Vous voyez, je commençais en disant, en ce moment, je suis en train de travailler. Je ne sais pas du tout à quoi. Je fais des trucs, des bouts de scénarios, des bouts de scène, des choses comme ça. Et ça, il m'importait de venir chez vous à Potemkin après à la sortie DVD du film, parce qu'aujourd'hui, les films ont des sorties plus longues que ce qu'elles avaient, enfin plus courte en salle et par les supports digitaux, enfin ou les films en ligne ou bien les DVD ont des vies plus longues, parce que vous voyez, de la même manière que les acteurs m'apprennent mon film, les spectateurs m'enseignent ce que j'ai fait, et j'ai besoin de sentir de sentir ce que les salles pensent, comment elles réagissent, qu'ils aiment bien, leur coup de cœur. Mais il m'importait à la Cinémathèque d'aller à la rétrospective pour sentir quelque chose de l'état du cinéma maintenant. Et c'est pas moi tout seul qui le pense, c'est moi avec le public. Et donc c'est vrai que c'est des rencontres qui m'importent. Pour les rencontres des nouveaux talents ou des choses comme ça,
la manière que j'ai de travailler est tellement ouverte, c'est-à-dire qu'on rencontre n'importe qui et tout le monde. Donc voilà, je ne peux pas vous dire d'autres choses, c'est assez simple. Je suis un type vraiment assez simple, je travaille dans la même maison de production depuis 25 ans. Donc on téléphone à la maison de production quand il y a un film qui est annoncé, on demande à Alexandre Nazarian, c'est toujours le même qui fait le casting, il rencontre. Voilà, c'est simple, on voit tout le monde, on a tous les gens, donc on accueille. Donc c'est pas les rencontres du public, c'est pas tellement pour rencontrer des gens, parce que ça c'est dans le cadre du travail qui se fait très naturellement et de manière très très ouverte. Mais c'est vrai que et avec pudeur, c'est-à-dire je vous parle en... Je suis obligé parce que je suis sur un tabouret ridiculement trop haut, j'ai un coca, j'ai pris un anxiolytique avant et je vous parle avec beaucoup d'anxiété. Vous voyez, parce que j'ai le trac, bien sûr. Voyez, parce qu'on fait ça, je ne saurais pas faire un acteur ou des choses comme ça. Donc rencontrer le public, ça me terrifie et pourtant j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pouvoir imaginer le film d'après. Parce que le film d'après, j'ai un devoir de fidélité au film précédent que j'ai fait et j'ai un devoir de surprise, d'essayer de vous surprendre. Et donc ça, c'est vous qui me l'enseignez au fur et à mesure de la vue du film. Je vous donnais ainsi l'exemple de cette spectatrice qui m'apprenait et qui me disait « Ben oui, mais c'est parce que vous avez aimé Bruno Gans dans Les ailes du désir que vous avez filmé Daoud. » Et je me dis « Ben voilà, elle a raison, elle est beaucoup plus maligne que moi. » Et voilà, et c'était formidable. Et vous parliez des passeurs. Je pense que c'est un bon endroit pour évoquer sa mémoire de Jean Douché. Juste avant de rentrer... Qui était venu ici. Qui était venu ici, oui. Pour le film... Paris-Vieux-Port. Ah, c'était pour le Paris-Vieux-Port. Paris-Vieux-Port, oui. Il y a eu des très grands passeurs. Moi, j'ai eu la chance de ne pas rentrer tout de suite à l'école de cinéma et d'avoir été à l'université. C'est démentiel. Mais vous avez croisé Danet. Oui, j'ai été au cours d'un grand écrivain qui s'appelait Serge Danet, qui était très connu à une époque. Et si vous voulez, les cours étaient tellement pleins qu'il y avait tout le monde dans la salle et dans le couloir. Et alors, les gens enregistraient et ils disaient « Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Et il y avait tout le monde qui venait pour entendre la parole de ces passeurs. Et aujourd'hui, avec le Internet... Avec tous les blogs, vous voyez les trucs hallucinés, chacun qui donne son avis, etc. Le fait que beaucoup de critiques écrivent sur des blogs, la parole de tous ces passeurs qui ont été tant si importantes en France, mais pas que en France, hein, au Japon aussi, je pense à M. Hassoumi, je pense aux États-Unis où l'importance de Pauline Kiel, de l'éléphant et la fourmi, enfin tous les grands critiques américains, etc., ont été très importantes et ont nourri les cinéastes. Aujourd'hui, cette parole est peut-être moins importante. Donc la parole du public a un peu remplacé, il me semble, aujourd'hui, et d'endroits comme ici, a un peu remplacé la parole des critiques qui pouvaient être très importantes et fertiles il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus dans un rapport direct ou dans des lieux comme Potemkin, la Cinémathèque, où ces rencontres-là viennent nourrir les réalisateurs. Allez, une dernière question. Oui. Bonjour. C'est vrai, quand j'ai vu le film pour la première fois, je ne m'attendais pas forcément à ça en termes d'énergie. Je ne savais pas comment le tourner autrement que l'énergie. Et j'ai cherché ce qu'il y avait de si différent avec ce que vous aviez fait avant. Et c'est dans le rapport à la sensualité, au personnage. Je ne savais pas exactement. Et je me suis rendu compte que ça se polarisait effectivement, pour moi en tout cas, autour de la sensualité que vous donniez à vos personnages et que la sensualité de Roche Dizem était... absolument différente de celle de vos protagonistes masculins précédents. Et même dans le regard qu'ils portent sur le monde, vous n'en avez pas parlé, moi je pensais au commissaire Antoine, c'est le quai d'Orfèvre, hein, peut-être. Et voilà, et en fait, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez construit cette nouvelle virilité pour ce nouveau personnage, parce que c'est tellement différent, encore une fois, de la manière dont vous avez... travaillez vos... J'ai envie de dire... oui, j'ai 10% d'action et il y a 90% d'action qui appartiennent à Rushdie. Mes 10% à moi, c'est d'avoir follement désiré ce sourire de Daoud et cette absolue humanité qui n'est pas de la compassion, qui n'est pas le pardon, il ne pardonne pas, mais qui est le fait de regarder un autre être humain entièrement, de l'accepter entièrement. Avec ses défauts, ses zones d'ombre, ses qualités, c'est de l'accepter, de dire voilà, tu es un être humain, je suis un être humain, et on partage le film. Et ça, je le dois à Rushdie. Et moi, mon seul talent, ça aurait été de désirer infiniment que Rushdie m'offre ça.
Et je pense que ça ressortait aussi de sa solitude, du fait que je pense qu'il y a un secret, il y a une scène. Voilà, je reçois ce que vous me dites, je reçois avec fierté. Et je voudrais juste mentionner une scène qui me tient très à cœur et où le jeune acteur, dont le nom m'échappe et qui est formidable, c'est Daoud va en prison, son neveu ne veut pas le voir, et il y retourne. Et son neveu le voit. Et son neveu le hait absolument. C'est une haine absolue, radicale, entière, une haine. Et il n'y a aucune raison à cette haine. Et Daoud, il accepte ça et il sait qu'il est haï. Il sait une chose, c'est que sa famille le hait, qu'il n'a plus de famille, qu'il n'a plus rien. Et pourtant, il sourit. Et je crois qu'une part de son humanité, de son ouverture au monde, de sa façon d'être viril, de cette douceur virile qu'il peut avoir, ou de ce côté féminin, il a un côté très féminin aussi, je trouve, il a les deux. On sent ça aussi dans les scènes avec les chevaux, c'est cette façon très mûre et en même temps enfantine, enfin ce paradoxe que Rushdie arrive à incarner avec Daoud, je pense que ça vient aussi du fait qu'il se sait haï et qu'il est capable d'y faire face et de ne pas avoir la réponse. Et quand le geôlier lui dit mais pourquoi il vous déteste et tout ça, il dit les parents de ses parents, je ne sais pas, c'est pas à moi à y répondre, moi je suis juste haï, mais c'est pas à moi à dire pourquoi je suis haï, c'est comme ça. Et ça lui donne une fêlure et une acceptation de l'humanité que je trouve renversante. Donc je vous remercie pour votre commentaire. Alors, on va s'arrêter là. Avant ça, donc, je vous ai fait choisir quelques DVD, dont je me réjouis un peu. On n'avait pas tout en rayon, et on ne va pas parler de tout. On a déjà parlé de Fleischer. Indispensable. Indispensable, vraiment. Les flics ne dorment. Le titre français est pas mal, mais le titre anglais, The New Centurions, est vraiment très beau. Alors, je sais plus ce que j'ai mis dans la liste. Alors, moi j'en ai choisi. Un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est de Almodovar, Douleur et Gloire. Mais j'ai une année bizarre parce que y a pas. C'est ma maladresse, hein, je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu ça, mais c'est pas du tout que ça n'a pas été une grande année de cinéma, c'est que j'ai vu peu de films qui m'aient bousculé, réappris le cinéma, donné envie d'aller au cinéma. Cette année était une année. Et dans les journaux, ils n'arrêtaient pas de dire quelle année exceptionnelle. Et je voyais des trucs et ça. Et j'ai eu des très grands chocs de cinéma. Et moi qui ne suis pas du tout un spécialiste. Et j'avais beaucoup aimé Julieta, qui est un film qui est vraiment mal aimé. Et j'adore l'écrivain aussi. Ouais. Donc je suis de mauvaise foi. C'est, j'adore l'écrivain qu'il avait adapté. Mais celui-là, la performance d'acteur, les retrouvailles, quand son compagnon revient et qu'il se retrouve et qu'il dit je reste dormir et tout ça, moi qui aime plutôt le cinéma pleurant, ça fait pleurer. Antonio Banderas, c'est un immense comédien. Mais c'est incroyable. Parce qu'il y a une performance, puis il y a une magie qui se passe dans le rapport entre le metteur en scène et l'acteur. Enfin, c'est sublime, c'est le cinéma à son plus haut. Vous auriez envie de faire tourner quelqu'un comme Banderas Je serais trop remarqué, j'ai réussi à faire tourner Rush Dizem. Mais je ne parle pas espagnol, ça s'apprend. Non, mais je crois que c'est pas très différent du français. Alors, un film que j'ai adoré, j'ai pris un film que j'avais aussi adoré, hein, mais Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ça, vous dites. Un chef-d'œuvre. Le cinéma, ça sert, quoi. Avec Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps. Et Vicky Krieps, qui est absolument renversante dans le film. Une révélation, je ne sais pas si c'est une révélation, parce qu'on la connaissait dans les seconds rôles, mais elle n'est pas que dans les seconds rôles, elle était absolument formidable et ça ne se voyait pas dans un film qui est décrié, qui est un très bon film, on en avait parlé une fois, qui est Le jeune Karl Marx. Ah oui, et elle jouait l'épouse de Karl Marx. Raoul Peck. Jenny Marx, et elle était formidable dans le film, ça se voyait déjà. Ouais. Mais là, c'est qu'elle tient la dragée haute à Daniel Day-Lewis, qui est quand même. Qui est un monstre. Qui est un monstre. Nous, on le sait. On le sait. Et un film de ma maison, une sorte de film culte de la boutique qu'on a édité, mais qu'on adore tous, c'est Le Privé d'Altman. Oui, ça c'est avec une des scènes. Je ne citerai qu'une seule scène, c'est Elliot Gould. La scène dans l'interrogatoire, quand il est filmé derrière le miroir sans teint et qu'il est en impro. Oui, oui, oui. Et ça, c'est un des plus grands moments de jeu qui soit. C'est superbe. Et puis l'ouverture, la scène des chats quand même. Il cherche la pâtée pour châle, pour son chat. L'inspiration est partout. C'est un très beau film. Très beau film. Voilà. Écoutez, Arnaud, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous beaucoup. Je suis très touché.
On se retrouve vers la grande table pour ceux qui veulent acheter le DVD ou le Blu-ray. Et Arnaud, ce sera un plaisir de le dédicacer. Voilà.